De nos jours, la ville océane a vu sa démographie galoper et son parc auto augmenter du jour le jour. L'automobile s'est imposée comme le principal moyen de déplacement. Malheureusement, dans cette ville, l'état des routes n'est pas exempt de critiques. En effet, l'utilisation des pavés devient très courante sur certaines artères de la ville océane. Le confort des usagers dépend des pavés choisis, de la technicité utilisée et de l'usure du revêtement. Hélas, à certains endroits, les pavés bombés sont les moins confortables pour les usagers, très souvent même à proscrire pour les personnes à mobilité réduite. Le point de vue des usagers sur les pavés qui génèrent des dégâts. Une grande différence lorsque nous conduisons sur la voie bitumée et la voie dite de Dalette. Nous ressentons des vibrations. Hein? Et voilà. Les véhicules se vibrent là. Donc, et en plus, vraiment, il y a défaillance, il y a plus de défaillance matérielle, hein, que sur la voie bitumée. Ce que nous voyons ici, ce qui est un peu bien pour le Dalette, c'est durable. Ainsi, les pavés devraient permettre d'apporter une touche qualitative à un aménagement et une circulation facile des automobilistes.